là. Écoute, on va essayer. Je même à 3h du matin, pour moi, je suis là, Evelyne, tu vois. Tu sais quoi? Tous les gens qui me rencontrent font les choses extraordinaires qu'ils n'ont pas l'habitude de faire pour moi. Sache que c'est apprécié. C'est vrai, c'est un don que j'ai, hein? C'est incroyable. Quand je demande quelque chose, c'est difficile aux gens de me dire non. Donc, bienvenue au club, Romain. Et je te remercie. Surtout pour Haïti, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Bonsoir encore, je te dis merci. Tu te réveilles à 3h du matin pour Haïti encore une fois. Et je n'aurai jamais de mots pour te cesser, pour te dire merci. Hein, parce que les gens ne savent pas. Bon, je ne pense pas que les gens ne savent pas. Je ne pense pas que tu réalises le travail que tu es en train de faire pour nous, chez nous avant tout. Et troisième fois à nos filters, nous sommes rencontrés il y a 3 mois. Nous comme sommes des âmes spirituelles qui se sont rencontrées sur cette terre. Nous avons même, à peu près la même mission. Tu es au bout du monde, moi je suis en Haïti, et ça commence avec Romain, qui, tu peux t'introduire d'abord avant d'aller au sujet, parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui ne savent pas qui est Romain, mais qui ont peut-être entendu le nom. Dis-moi. Oui, bah écoute, je te remercie encore pour l'invitation. Bah écoute, moi ça fait maintenant à peu près 10 années qu'on va dire, auteur, journaliste, que j'ai publié 6 livres et des enquêtes pour le New York Times, le Guardian, CNN, Josimar ou la BBC. Et notamment autour du milieu du sport et de, malheureusement, depuis 2 ans et demi, beaucoup d'affaires également de pédocriminalité dans le sport international, principalement sur les dossiers en Haïti, mais également ailleurs dans le monde entier. Donc voilà à peu près ce que je fais de ma vie, et terminé très tard parce que j'ai des dossiers à travers le monde. Moi, je me pose toujours la question. Romain, tu es toujours jeune, tu pourrais faire tant de choses. Pourquoi ça? Mais quand on a une mission, je comprends, et tu ne lâches pas. Tu as pu sauver Haïti dans le premier cas d'Alou-Jambor, et on croit que c'était fini. Et te voilà encore de retour sur le cas de Claudalys Bertrand. Et est-ce que tu peux donner un update de la situation actuelle, s'il te plaît? Écoute, ça avance bien, hein, parce que bon, y a eu, au final, avec Claudalys, que toi, parce qu'il en a parlé chez toi, de ce qui s'était passé avec Evan Sescoufleur, l'ancien ministre des Sports et de la Jeunesse. Donc au final, il y a eu des plaintes qui ont été posées, mais pas uniquement par Claudalys, également par d'autres personnes. Et donc, Evan Sescoufleur a été convoqué au tribunal de première instance de Port-au-Prince jeudi dernier. Il ne s'est pas rendu au tribunal. Son avocat avait écrit une lettre en disant qu'il avait des soins à l'étranger et qu'il ne pouvait pas être là, qu'il ne savait pas quand il revenait. Et donc un mandat d'arrêt a été délivré contre lui par le commissaire du gouvernement, dont le dossier a été passé en instruction, en chambre d'instruction. Donc ça veut dire que M. Sescoufleur, je crois, on peut dire, en France, je dirais qu'il est mis en examen pour agression sexuelle et viol sur mineur. Et une interdiction de sortie du territoire a également été délivrée contre ce monsieur. Donc, quand tu vois d'où on est parti, parce qu'on parle d'un homme très puissant quand même, hein, tu sais mieux que moi, qui sévit depuis quasiment 40 ans. Quand tu vois tout le travail qui a été fait en sous-marin, je pense que voilà, c'est une bonne avancée. Évidemment, ce n'est pas fini, mais ça montre aussi un signe très fort sur tous les autres dossiers, quoi. Donc, voilà où on est sur la fin de ce que ça. Avec Claudalys Bertrand, moi, personnellement, j'ai reçu plusieurs appels. Les gens pensaient que c'était un sujet temporaire, ça allait passer, on tourne la page, comme d'habitude en Haïti, c'est comme ça que ça se fait. Quand il y a certains cas, les gens ne s'attendent pas à un résultat ou bien un travail. OK, on parle de ça pour cette semaine et la vie continue. Et j'avais dit aux gens que ce serait différent cette fois-ci. Il y a des gens qui ont cru, mais la majorité pensait que ça allait passer. Et les gens jusqu'à présent en Haïti sont choqués de voir de temps en temps qu'il y a des nouvelles et ça avance. Comme si c'était une surprise. Comme si je leur ai bien expliqué. Ce qui est en train d'arriver dans le monde n'est pas random. C'est pas par hasard que je rencontre Romain au bout du monde et moi, je suis en Haïti, que Alex regarde des choses sur Instagram. C'est pas par hasard. Il y a des choses qui arrivent maintenant, OK? Il y a des choses qui arrivent maintenant, c'est le travail de l'univers. C'est le moment. L'heure est arrivée. Afin de vous dire, je parle un petit peu de créole parce qu'il y a des Haïtiens qui m'écoutent, que ah, ça t'est parlé déjà, il t'est fait déjà, il va passer. Those days are over, OK? Jodi, 2022,
li le li tan pou chodye sa chavire. E se sa ke Romè avèm la pese fè. An pou rappele tout moun, nou pa ou plateforme justice. Je ne suis pas là pour, créer, pour, demander, pour faire la justice. Je ne suis pas juge, je ne suis pas avocat. Mais je suis là pour m'aligner avec ce qui est la bonne raison d'être pour moi. Because j'ai beaucoup hésité, Romain. Vraiment, j'ai beaucoup hésité à chaque fois que je parlais de ça. Vu que mon statut en Haïti, ce que je fais avec les gens que je rencontre, je me demandais pourquoi moi, comme event planner, je suis en train de faire ça maintenant. Mais ce n'était pas ma décision. Je suis sûre que ce n'est pas aussi ta décision. Tu aimerais, je te dis ça tout le temps, tu aimerais être au bout de la, au bord de la mer, en train de péter. Mais quand on a une mission, on suit sa mission parce que c'est plus fort que nous. Et c'est là que nous nous entendons bien. Et ce matin, j'ai vu un article qui m'a un peu choqué. Hell on Earth. Est-ce que tu peux parler un peu de ça, s'il te plaît? Bon, c'est un peu le résumé de 2 ans et demi de travail autour de tout ce qui s'est passé dans le football haïtien et notamment de ce ranch de la Croix des Bouquets, donc le centre FIFA Gaul. Et c'est l'enfer sur Terre, littéralement. C'est l'explication de tout ce réseau d'exploitation sexuelle qui a existé depuis quasiment 20 ans. Et aussi comment les dirigeants de la Fédération de football haïtienne ont reçu des cadeaux sexuels de divers dirigeants. Enfin, ont offert, excuse-moi, des cadeaux. Donc, ils ont forcé des joueuses, des arbitres et des employés à avoir des relations sexuelles avec des officiels de la CONCACAF et de la FIFA. Et dans les cadeaux sexuels, un certain Sepp Blatter, ancien président de la FIFA, notamment reçu un employé en 2013 lors de sa venue en Haïti, où il avait d'ailleurs rencontré également le président Martelly, en faisant comprendre à Martelly qu'il ne fallait pas toucher à Dadou Jean-Bart, à l'époque où Martelly voulait sauter Dadou Jean-Bart. Donc, c'est la FIFA qui a menacé le gouvernement haïtien à l'époque. What? Yes? Oui? So Martelly voulait arrêter ça. Mais on l'a menacé. Je ne sais pas ce qu'il voulait. Le truc que je sais, c'est que Martelly à l'époque ne veut plus de Dadou. Il demande à des gens de trouver des choses contre Dadou pour l'écarter. Dadou se plaint à la FIFA et on lui parle toujours de l'ingérence politique, de machin, parce qu'en fait, la FIFA a cette arme nucléaire. En gros, quand les gouvernements veulent se mêler de certaines choses, ils sortent la carte de l'ingérence politique pour suspendre. Et Sepp Blatter, l'ancien président de la FIFA, est venu en Haïti. Il a rencontré Martelly et l'ancien ministre des Sports de l'époque. Et dans le rendez-vous qu'il a eu avec Martelly, il a défendu bec et ongle de Dadou Jean-Bart en disant faut le garder. Donc, si tu veux, c'est pour ça que dans cet article, on explique un peu tout ce qui s'est passé. On explique également l'affaire des Scoufflers, puisque ça s'est passé également au ranch de la Croix des Bouquets. On explique vraiment tout le système d'exploitation sexuelle sur, en gros, tu dois coucher pour obtenir un visa américain, etc. Donc, si tu veux, c'est assez long, c'est assez important. Et même l'auditeur que la FIFA a envoyé en Haïti, qui était un Français, qui s'appelle Yvon Avry, qui devait vérifier si tout allait bien après le tremblement de terre de 2010, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui a été mis au centre. Et en fait, il a reçu aussi les filles. Donc, en fait, c'est un énorme dossier d'exploitation sexuelle, peut-être le plus gros, un des plus gros de l'histoire du sport. Et en même temps, pour se protéger, ils ont donné des filles. Enfin, ils ont obligé des filles à avoir des relations sexuelles avec les dirigeants de la FIFA. Donc, on est dans la honte absolue. Ça a fait le tour du monde. Là, c'est en train de faire le tour du monde actuellement. On va voir ce qui va se passer. Mais voilà à peu près de quoi il en ressort, quoi. Woman, are you confident you're going to have results? Est-ce que tu es confiant que tu vas avoir des résultats? Même si je dois les poursuivre jusqu'en enfer et descendre aux sticks pour avoir les résultats, j'irai. Ça, c'est fort, hein, ce que tu veux dire. Mais quand tu commences un truc, je finis. C'est trop grave ce qui s'est passé. Tu vois, il y a un devoir aussi moral qu'on a tous, parce que je ne suis pas tout seul, tu vois, on est plusieurs à travailler. Comme derrière, sur le dossier de Clonalix, tu vois, j'ai mon ami, j'en ai d'autres, hein, maintenant. Et je te dis, on ne lâchera jamais rien. On lâchera jamais rien. Donc non, j'y crois, parce que ce qui s'est passé aussi avec l'affaire des Scoufflers me fait dire qu'il y a une possibilité, même en Haïti, qu'un jour, Jean-Bart se prenne un mandat d'arrêt qui ensuite pourrait, pourquoi pas, devenir international. Tant qu'il n'aura pas ça au cul et tant qu'il sera en liberté, on continue. Mais bien sûr, on ne va pas s'arrêter. Évidemment que j'ai confiance plus que jamais. Plus que jamais. Plus que jamais. Sois Huglin, tu as ma parole, tu verras qu'on ira au bout. Je ne veux pas rester plus longtemps que ça. C'était juste pour avoir un update. Quand j'ai vu aussi que j'ai cru que c'était important qu'on fasse un live pour partager cette nouvelle. Et moi, personnellement, je vais partager à certaines personnes qui sont choquées. Ils me disent, ils croyaient que cette affaire des scooters, c'était fini. Et maintenant, ils réalisent que c'est plus grand. C'est beaucoup plus grand qu'ils pensent. Je vais te dire pire. Au centre, tu avais un mec qui s'appelait Jacques Succès Orismé, coach Jackie, qui est mort en 2020 du Covid. Lui, c'était un pédophile notoire. Il préparait les jeunes pour les scoufflers, mais il violait les jeunes.
J'en connais qui ont été violés par ce mec-là. Okay? Ensuite, tu as tous les autres qui étaient à la fédération. Il y a un rapport quand même qui est sorti en 2021, novembre 2021, ou 2020, 2020, excuse-moi, où 34 victimes ont été identifiées au centre et 10 violeurs. Non, mais attends, je peux te donner les noms, moi je m'en fous. Mais si tu veux, maintenant la question de la justice haïtienne. Mais est-ce que pour que ça aille au bout en Haïti, il faut aussi qu'il y ait un vrai dossier solide qui soit constitué, comme le dossier était solide contre les 26 couffleurs. Donc c'est pour ça que je suis confiant aujourd'hui, parce que je vois qu'en Haïti, tu as aussi des gens qui veulent que ça bouge. Et au niveau international, à un moment donné, il va falloir que la FIFA elle, fasse quelque chose parce qu'elle a du sang sur les mains. Je rappelle que l'un des jeunes qui a été au centre s'est suicidé suite au viol. On a une pensée pour lui. Et des plaintes ont été posées puisqu'il a été violé par Evan Siskoufleur. Voilà. Donc Evan Siskoufleur, l'ancien ministre des Sports et de la Jeunesse, secrétaire d'État, non seulement il a du sang sur les mains, mais la FIFA a du sang sur les mains. Parce qu'à un moment donné, il va falloir régler les comptes quand même. À un moment donné, il va peut-être falloir qu'il paye. C'est pas payer niveau argent. Payer niveau, on va nettoyer. Et on va s'excuser vis-à-vis de tout ce qu'on a laissé faire. Et de tous ces jeunes haïtiens et jeunes haïtiennes qui ont souffert. Et tant qu'il n'y aura pas ça, on continue. Parce que la cible, ce n'est pas Dadou Jean-Barre, la cible, c'est plus haut. Les mecs qui l'ont protégé, qui l'ont financé, c'est Tu eux. penses qu'il y a plus haut le Romain? Qu'il y a? Est-ce que tu penses qu'il y a plus haut que ça? Quand il y a une institution si puissante que la FIFA qui ferme les yeux et qui fait tout pour faire l'autruche et pas vraiment sanctionner, ça me fait dire qu'il y a quelque chose de très gros. Allez, je t'en donne une autre. Tu as un dirigeant de la CONCACAF, donc la Confédération d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes, un membre du conseil d'administration. Qui a fait un enfant à une fille du ranch. Qu'à quoi? Il a fait un enfant à une fille du ranch. Ouais, je ne te donne pas encore son nom, parce que je n'ai pas assez légalement pour le prouver, mais tout le monde au ranch est au courant. Et c'est Dadou qui m'a dit cette fille-là. C'était une joueuse qui l'a fait émigrer au Canada derrière, si je ne dis pas de bêtises. Et elle a un enfant de lui, c'est une petite jeune. Non, mais c'est gravissime. Mais les gens ne se rendent pas compte, en fait, de la gravité. Les gens ne se rendent pas compte que c'est une des plus grandes affaires du monde qui a jamais été sortie en termes de sport et de pro-criminalité. Les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est énorme. C'est un mini réseau Epstein, hein, ce qu'ils ont fait à la fédération. Ils ont exploité, ils ont prostitué des jeunes haïtiennes. C'est tout. Donc, et on ne parle même pas, tu vois, là, on parle des filles. Et pareil, les Scoufflers ont fait la même chose avec ces gars, le fameux coach Jackie, un autre mec qui s'appelait Boileau. Et c'était 3-4 comme ça qui ont abusé de centaines d'enfants en Haïti, notamment dans le foot. Il ne faut pas avoir peur des mots. On parle mais de gens terribles. Terribles. Donc, quand tu me dis pourquoi on ne peut pas arrêter, on ne peut pas arrêter. Et je pense qu'à Saint-Louis de Gonzague, tout le monde savait. Au club sportif Saint-Louis, dont Ivan Escoufleur est président, tout le monde savait. C'est un secret de polichinelle, les Scoufflers en Haïti. Moi, C'est pour ça que c'est important. je te dis franchement, et j'ai pas eu une personne qui m'ait dit personnellement qu'il ne savait pas. C'est incroyable que tout le monde savait, ou bien tout le monde entendait, mais personne ne disait rien. Mais encore, je ne suis pas là pour juger, je ne veux pas juger, parce que des fois, il faut seulement une personne commence à parler, ou bien une personne agit différemment, parce que nous vivons aussi en Haïti, Romain, que Je je sais. ne critique pas. Parce qu'à Haïti, je te dis, il n'y a pas justice. Moi, j'ai réfléchi beaucoup. Je te dis, je réfléchis jusqu'à présent, mais ma foi est plus grande que moi. Vraiment, vraiment plus grande que moi. Et si ma foi me guide à aller sur cette route, je le suis, je fais confiance. Et c'est pourquoi je suis en train de faire ce live avec toi. Parce que les gens savent, ce n'est pas comme s'ils ne savent pas, mais ils ne veulent pas parler. Il y a plein de gens, il y a des gens que j'ai rencontrés, et je leur ai même dit, quand tu seras prêt à parler, tu parleras. Ils me disent, de quoi parles-tu? Il me dit, je sais. Et maintenant, ils ont un petit peu peur. Et je leur dis, c'est pas, vous n'êtes pas obligé de passer et, Mais qui sur me un show. contacte s'ils ont Mais il peur? faut en parler. Il faut aller voir un psychologue. Il faut en parler parce que c'est tous ces esprits diaboliques qui tiennent Haïti en otage actuellement. Je crois vraiment qu'il y a tellement de trucs qui sont passés sur Haïti. Ça peut être un millier, des centaines de milliers de cas, whatever. Mais si un ne commence pas, Bien sûr. il n'y aura jamais de résultat. Mais que les gens me contactent. Moi, je vois des gens dans le chat qui me disent, mais qui me contacte en privé? Moi, regarde tous les gens qui m'ont parlé quand j'ai sorti aussi l'enquête dans le Guardian sur les Scoofers, tout ce qu'on a fait.
Moi, il n'y a pas de noms qui sont sortis. Mais que les gens me contactent, plus j'ai de données sur les scoufleurs et tout le reste, plus on peut avancer. Moi, j'encourage les gens à parler. Après, derrière, on voit ce qu'on peut faire. Mais c'est avec plaisir. Et comme tu l'as dit, il y a peut-être des milliers de cas, des milliers de choses qui ne vont pas bien dans tous les pays du monde. Mais il faut commencer par une déjà. On n'a pas le pouvoir de changer le monde, mais on a le pouvoir de changer quelques vies. Et déjà, si on y arrive, je pense qu'on peut mieux se regarder dans une glace, à la fin de la journée. Et bien, à chaque fois que tu me dis ça, que Haïti a été le premier pays qui a aidé le monde maintenant à se libérer de la parole. Et beaucoup d'Haïtiens ne savent pas ça. Ils Mais pensent bien sûr. que. Parce qu'on se sous-estime tellement. Et je leur dis ça tout le temps. Et le respect qu'on a ailleurs, c'est incroyable. Et c'est grâce au cas de Dadou Jabor que tu as parlé la première fois, que plusieurs autres pays maintenant en parlent de ces trucs qui arrivent à travers le monde. Et. Mais c'est un modèle, le courage ici. Mais comme ça a été un modèle dans l'histoire, hein, tu le sais bien. Mais moi, Première République noire, je veux dire, c'est quand même, ça a inspiré toute l'Amérique latine. Pas oublier, tout le monde, je dirais, noir aujourd'hui. Enfin, je veux dire, ça a toujours été un pays pionnier en termes de rébellion, de courage, de dignité. Et là, on le voit pareil dans le monde du sport, sur tous les abus. Si toute la parole se libère actuellement dans le monde entier, de l'Océanie à l'Amérique du Nord, en passant par l'Europe, l'Afrique et l'Asie, en Amérique latine, moi, la plupart des gens qui m'ont contacté derrière, ils l'ont fait par Haïti. Parce qu'ils ont vu. Donc, tout part de là. Tout part de Haïti. C'est pour ça que les gens me disent, mais non, mais ils ne se rendent pas compte, en fait, de l'impact. Ils ne se rendent pas compte. Moi, je pense qu'Haïti peut être très fier de toutes ses filles et tous ses garçons, et par exemple aussi de quelqu'un comme Claude Alix. C'est Bon, pourquoi je suis. exceptionnel, ce monsieur. Il est exceptionnel. Claude Alix, Bertrand est un homme exceptionnel. Il ne faut pas avoir peur des mots. On va avoir un live avec Lolalix et toi et quelqu'un d'autre la semaine prochaine. Je voulais avoir un update ce soir. Je sais que tu es arrivé à 3 h du matin pour me Ne parler. t'inquiète pas. J'apprécie énormément Mourou, mais on se voit bientôt. Ne t'inquiète pas, Et Hugo. j'ai hâte de te voir, de te parler en Je personne. Listen, tu vois ce qui arrive, c'est que des fois l'univers te fait rencontrer des gens à travers le monde qui s'alignent avec la vision, la mission qu'ils t'ont donnée. Et c'est bien de le faire avec toi, coach. Vraiment, tu pourrais faire tellement d'autres choses, surtout tu vis dans un pays qui est développé, il y a tellement de trucs à faire, mais tu choisis quand même de te réveiller chaque jour de t'aider. Et c'est pourquoi je t'envoie cette lumière de positivité. Je prie beaucoup pour toi, Romain. Et tu mérites le meilleur. Et vraiment, c'est ton moment. Un moment va arriver que ce sera ton moment et c'est moi qui vais te célébrer. Hein. Donc, je te dis merci. Passe une bonne nuit. Merci Et beaucoup à toi. encore une fois, keep the faith, keep the faith, keep the Always. faith. I'm with you all the way. Merci beaucoup. À bientôt, Eglin. À bientôt. Ciao à tous. Bon, c'est Romain Molina au bout du monde. Et I'm just doing what I was asked to do. I don't know why. Don't ask me why. I don't fight against anything anymore. C'était tout. Ne besoin pas nous update. Yo, can you guys believe again, Haïti, c'est le premier pays qui parle inspirer le monde, qui commence pour pas que le pays parle. Les gens disent, on ne peut parler, pas parler, nous, père. Père, qui ça? I don't know, man. I know it's hard. Il est difficile. Nous, on comprend tout le ça, but yo, does it feel good pour libérer tes tout? I don't know. I trust the universe so much. Il m'a dit voler la fête tel bagaille. I'm just fell. Ma foi, de jour en jour, devient plus grand et je m'aligne avec la mission et la vision que l'univers a pour moi. Je ne tourne plus mon dos et je me bats plus. Donc, les gens qui me disent, Uline, tu n'as pas peur, je suis là. Non. Et la peur, c'est pour les gens qui n'ont plus de foi. Ils pensent qu'ils ont foi qui est tellement enragée. La peur presque pas existé. Je n'ai jamais pensé que Uglinji et Rome, tu as fait un live, tu as parlé de bail comme ça et une fois. My faith has gone so big that I just trust everything that's going in my life right now, même si Wood ça m'a fait pour contre moi. Bien que je me un pile d'anges gardiens qui rejoignent moi, qui comprennent, mais qui toujours hésité, mais. Universe, I trust you. I trust you. I trust you. I surrender. Like, thank you, Stella, babe. I surrender. I surrender. And I ask the universe to send light and positivity to Haiti. Parce que quelque part, faut payer sa libérer. Et par contre, si petit travail m'a fait dans nos filtres, qui a aidé dans un gros problème, non? Même qu'on est quelque part depuis qu'on parle libéré,
domino effect que le fait parce que li commencé là nous nos filters nous rencontrer Claude Alix Bertrand qui parlait de Capalan voilà des centaines de monde à confesser ou par contre combien âmes qui parlent libérer et m'a raconté une histoire si garçon ça qu'a peut visiter même te raconter déjà le live il y a 3 mois et il n'est plus là pour moi qui pas connaît yo depuis quelque temps m'était gain un petit garçon m'a pété ouais qui vient visiter m'a crié mais qu'a dit depuis quelque temps et ben il dit qu'en a pensé peut-être c'est imagination ou bien pas pris au sérieux et puis voilà pendant qu'on a commencé à prêter plus attention aux détails moi j'ai raconté plusieurs fois expérience que moi fait pendant que mon République dominicaine récemment et moi Jésus-Christ et puis pas que bagarre passé qu'on a commencé à accepter que moi pas fou vraiment que ça moyen c'est ça parce que c'est tellement facile pas vrai l'homme on pas même pas avoir ou pas et même vision avoir you just bon tag mais c'est la vérité. Mes tirs sont ça, levé le matin, mouel, m'a dormi, mouel. I'm like, who the hell is this? Et c'est récemment, il y a 3 mois, j'ai fait le premier live moi, avec Molina. Je réalisé que tirs sont ça, qui a fait des vignes, c'était tirs garçon qui a tué l'île en ranch, qui a besoin d'aide. Je n'ai jamais connu tirs garçon, je n'ai jamais tirs garçon. Mais depuis que j'ai fait le live avec Molina, il n'a pas visité mon corps. Donc, quand on y est, je dis un pas ou encore, si vous sentez que moi fais ça, me supposé faire, vous voyez, je dois dire pour moi, soit Haïti, parce que nous avons besoin d'être. On a passé des moments très difficiles, on a passé des moments fait noir. Peut-être que moment fait noir, ça aussi des moments pour qu'apprenne nous l'autre bagaille, parce que très difficile pendant le moment fait noir, ça, pour ne pas me dire tout. Ça m'a fait là toujours. Qui ça m'a fait? Il y a un peu de monde qui a découragé. Même si vous que vous voyez la lumière pour un peu de monde qui veut décourager, comprendre que c'est un moment de lumière. Parce que la lumière, je me fais, je me mouvre là, je m'expecte là. Changement, je me fais, je me fais, je me fais. Donc, tirer son sac à côté, Haïti a besoin d'aide. Il y a des centaines de monde qui passe pour kidnapping, gain qui libéré, gain pas libéré. Qui aime connaît, qui aime pas connaît. Il y a plusieurs docteurs qui actuellement en kidnappé. Il y a plusieurs hôpitaux qui a fermé à partir de jeudi. Les rives dans point ça gars côté que l'hôpital a fermé parce que kidnappé plusieurs médecins. Est-ce qu'on peut imaginer nous combien monde qui ca mourir, qui pourrait mourir, l'hôpital fermé au pays déjà qui pas assez l'hôpital. Est-ce que nous avons tout juger l'hôpital ça? Non, pas à juger l'hôpital ça. Parce que c'est ce moyen de pression que nous avons pour libérer au moins médecin, même si ce n'est pas médecin. Quel que soit le monde, pour qui ça me kidnappe? Mais qui est-ce que nous avons juger? Parce que, oui, à bas kidnapping, même si le monde ne sait pas ce qu'il dit tout. Est-ce que pendant des années, il n'a pas parlé tout, il a ignoré? Est-ce que pendant des années, il a barré accès à l'éducation, yo barré accès à la vie qui fait créer frustration ça. Pas là pour dire que son bagage qui right non, mais rien là pour essayer balancer comprendre. Ou même idée la décider par le kidnapping, ou la follow Zack. Mais pas là tout pour juger mon cas le kidnapping nan, bien que d'ailleurs il faut conversation à mon ça pour me dire que quelque part on perd du espoir ou pas quoi la lumière encore. Je ne peux pas dire que je comprends ou non, parce que je parle en position. Même quand je dis que si vous avez quelqu'un, vous rappelez que mon noir kidnappé, c'est haïtien par oulier. Parce que l'un a fait méchanceté, ça y est. Ce n'est pas ou l'autre. N'importe quel monde. N'a fait frère, nous seuls, nous ça. Depuis qu'il a dit que ça a eu l'autre. Et si ce n'est pas haine, qui ça lié? Ou quand un moment difficile, ou quand un moment fait noir, ou quand un moment que vous passez des années ou pas à l'école, ou pas à manger, vous ignorez, ou quand un moment ça, je ne peux pas dire que je comprends. Je ne peux pas dire que je comprends parce que je ne peux pas l'opposition ça. Même quand je dis, lis-le pour que je sois encore.
Et l'on commence à dire foi encore, l'on commence à croire encore, l'univers là, bon Dieu, a voué lumière pour vous. Si ça m'a voué à souhait, ben, tout le monde qui a mauvais acte, toujours un espoir pour changer que toujours un espoir pour mettre des amours en terre, toujours un espoir pour larguer prochain. Parce que ce n'est pas prochain qui la cause côtoyer, ce n'est pas prochain qui fait ça. Mais ensemble, seulement ensemble, nous-mêmes haïtiens, pas grand-chose français, ni américain, ni canadien, quel que soit le monde, nous-mêmes haïtiens, c'est nous-mêmes qui pouvons changer le pays. Bah, moun sa ou la parole qui t'a exprimé au tout pendant trop longtemps. Nous avons classé le pays qui bat au dos. Nous comprenons ça tout. Nous avons gardé le pays 12 millions, mais nous avons bien mené les dû. Les dû. Et c'est libération, la parole, ça m'a demandé à soi. Que dit commencer par nous, nos filtres? I'm just a little bit of tiny sand. Mais c'est juste un grain de sable dans la mer. Mais grain de sable, ça a broumé pour l'autre sable, levé tout. Pour bien, nous avons droit à parler, exprimer. On doit reconnaître que yo, c'est mon tout. C'est pas tout le monde qui est mauvais monde. C'est pas tout le monde qui est bon monde. Mais quel que soit mon ouïe, ou qu'a fait différence pour là. Ou qu'a l'opposition, je vous dis, à côté que bagaille au grave ou qui c'est situation majorité haïtienne. Mais qu'on est pas pour vous. Ou pas seul monde comme ça. C'est tellement facile pour le moment difficile. Yo. Faut juste à penser que c'est vous-même seulement qui passez certains travail. Voilà qui a pu. Mais guess what? Haïti actuellement, nous tout a passé travail par nous. Et comment en sortir? Faut nous parler, il faut nous libérer. Pas qu'il y ait dedans. Si vous avez depuis qu'on y a fait mal, pas qu'il y ait pendant des années pour nous créer une frustration, pour nous railler pour chez vous. Parce que ce n'est pas qui Dieu, il y a qui met haine dans le cœur. Il y a qui met haine dans le cœur ou prêt à faire n'importe bagaille. Quel que soit le moment difficile qui va passer, qu'on y a, maintenant qu'il y ait l'amour dans le cœur, qu'il y ait l'amour dans l'esprit, malgré tout, il y a difficile, il y a grand goût aujourd'hui. Et tu ne peux pas aller à l'école, pas avoir accès à rien. Mais qui met l'amour pour tête tout. Il est tellement important pour commencer à remettre tête tout. Parce que si tu ne pas remettre tête tout, tu ne pas remettre prochain. Et si tu ne pas remettre prochain, tu ne pas remettre pays. Et comprendre que ou pas arriver à un point que tu ne pas remettre tête tout, ou pas remettre prochain, ou pas remettre pays. Et c'est seules âmes ça qu'il faut vivre. Mais, ma parole, toujours gagner espoir pour mettre les âmes ça à terre. Pour moi, des univers là, bonne lumière. C'est ça que je me souhaite. Je ne vais pas faire promesse en rien encore. Je ne vais pas dire plus. Je ne vais pas faire plus que partager l'amour que j'ai dans le cœur pour nous-mêmes. Et je ne vais pas au sein. Je ne vais pas venir prêcher, je ne vais pas aller parce que je ne vais pas au sein. Même je sens ou même j'avoue qui vient joindre l'amour lequel l'amour pour tête, l'amour pour prochain, mais l'amour pour pays. Et tellement l'amour fort, les femmes croient que tout bagaille est possible. Et tout bagaille est possible, dis-moi. Et possible pour tout le monde qui voulait croire et qui vient l'amour dans le cœur. So, avant d'aller, ne sous-estimez pas le pouvoir de l'amour. Jamais. Quand vous avez l'amour en vous, tout est possible. Nous raillons l'un l'autre trop pour rien. Depuis que nous commençons à faire jalousie, à bien faire ça, courir d'elle rapide. Parce que tout ça, c'est ça qui commence à être petit, nous grandir avec frustration. Et résultat, c'est ça. On prêche l'amour, on passe à petit, nous. À souhait, nous parlons qu'à regarder la vie, souhaiter un petit temps, à dire petit, nous, que nous aimons. Mario, souhaiter que nous disions madame, nous, que nous aimons. Madame yo a dit Marie yo que remè yo. Et si ou pou kontou, di tèt ou ou mwen ko remè tèt ou. Nou pa fè travay sa asè. Paske l'amour sou ba normal. Paran nou, te fè travay bi pa yo, a mezi pa yo. Petèt pi te traumatis pa yo, pi yo pa eksprime l'amour yo. Men kounye nou en 2022, nou ka fè mye, nou ka fè diferan. An fè l'amour ou bagay ki normal. On fait aider pour chez nous ou bagay qui normal. Et c'est comme ça que le pays change, que le monde change. Ce n'est pas building, ce n'est pas million, ce n'est pas hôtel, ce n'est pas tout ça. À travers l'amour, tout est possible.
Et cet amour que j'ai maintenant pour cet univers qui me guide me fait croire que je peux aider à ma manière. Une vidéo pour vous servir, c'était un live Breaking News avec Romain Molina. Un peu lourd, mais je me sens libérée. Positivité, lumière et amour pour Haïti. Ciao.